Bon après-midi madame, bon après-midi monsieur, bienvenue sur Afrique Today et c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Alors l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches en direct sur Afrique Today. Vous pouvez regarder Afrique Today sur quatre plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.africetoday.com. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les smart TV, téléchargez nos applications et vous allez regarder toutes les émissions d'Afrique Today sur votre smart TV. Alors nous continuons ici, Afrique Today est un sponsor médiatique donc du trade show qu'organise la République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, j'ai le plaisir de recevoir à ma gauche Madame Caroline Poncelet Mokemba, qui est la présidente de la nouvelle Chambre de commerce nationale de la RDC. Bienvenue sur Afrique Today. Merci. Alors, et j'ai à ma droite le reverend Jean-Claude Atosamesso, président de Global Infrastructure, il est ici à ma droite, bienvenue sur Afrique Today. Bienvenue, merci beaucoup. Et dites-moi pour votre entreprise. C'est Global Infrastructure, Commodities and Finance. Ok, Commodities and Finance, ok, bienvenue sur Afrique Today. Merci beaucoup. Alors, nous sommes ici comme... étant donné que Afrique Today est aujourd'hui, nous avons déjà signé ce contrat de partenariat avec la Chambre nationale de commerce de la République démocratique du Congo. Et j'ai à ma gauche la présidente. Alors, votre séjour vient à sa... et vous continuez votre séjour. Quel est le bilan déjà de votre séjour qui s'est passé ici à Washington DC? En fait, le bilan est vraiment très positif. Parce que, à savoir, nous avons déjà un partenariat média qui est Afrique Today, qui nous accompagne déjà dans tout ce que nous faisons. Et aussi, nous avons signé aussi quelques partenariats avec d'autres sociétés en place. Surtout, le grand partenariat que nous avons signé, c'est avec la Chambre de commerce de Noirs américains ici aux États-Unis. C'est vraiment une porte qui s'ouvre, une grande porte qui s'ouvre pour nous, Congolais, avec les États-Unis. Merci. Et il faut savoir que vous, si vous êtes ici aujourd'hui sur Afrique Today, c'est grâce au reverend Jean-Claude Atosamesso, qui est président de Global Infrastructure Commodity and Finance LLC. Il est ici avec moi. Alors, reverend, dites-moi, comment avez-vous réussi à entrer en contact avec la présidente de la Chambre de commerce nationale de la RDC? Notre firme, qui est Global Infrastructure Commodity and Finance, travaille sur les stratégies de développement et nous avons investi beaucoup d'efforts pour étudier les ressources qu'il faut pour le développement de la RDC. Et c'est dans ce sens que nous avons été contactés pour pouvoir apporter notre contribution pour le trade show que la Chambre de commerce nationale de la RDC tente est en train d'organiser ici à Washington DC. Donc nous avons été connectés pour que nous puissions les aider grâce à notre travail de représentation publique pour pouvoir l'introduire dans des grands milieux ici et aussi pouvoir les aider à pouvoir organiser ces trade shows. C'est notre travail, c'est notre là que nous travaillons bien et nous sommes contents des résultats que nous sommes en train de réaliser jusque-là. Alors, nous allons essayer de parler. Nous savons que quelques étapes ont déjà été prises au courant du séjour de la présidente ici à Washington DC. Et Madame la Présidente, dites-nous un peu, vous êtes allée rencontrer l'ambassadeur. Alors, parlez-nous de cette expérience. Non, c'était très, très, très positif cette expérience parce que vous savez, dès qu'on est là, on doit passer à notre ambassade pour informer notre arrivée ici. Et cela a été fait et on était vraiment accueillis chaleureusement. Et le contrat que nous avons signé avec la Chambre de commerce de Noirs américains, c'est en présence de notre ambassadeur. Donc c'est un signe vraiment très positif et il était très content et tout le monde était très content. Et surtout, les membres de la nouvelle Chambre de commerce au Congo étaient vraiment très, très contents par rapport à ces partenariats et j'espère que tout ira bien.
Il faut rappeler que Afrique Today est le partenaire médiatique de cet événement. Alors aussi, Afrique Today participe avec son programme Smart Ticket, donc tous ceux qui vont venir à cet événement vont utiliser ce produit de Smart Ticket. Les billets seront contrôlés. Les billets, l'entrée sera gratuite, donc il vous faudra avoir un billet. Alors, donc, monsieur le président de Global Infrastructure, je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà un lieu où va s'organiser ce trade show? Je peux dire que nous sommes en train de solliciter quelques lieux. Jusque là, nous n'avons pas encore pris la décision finale, mais je pense que dans la semaine qui suit, nous serons obligés de prendre une décision finale parce que nous avons besoin de ces lieux et des précisions de ces lieux pour pouvoir faire nos publicités aussi bien ici au niveau des États-Unis qu'au niveau de la République démocratique du Congo. Donc très bientôt, nous serons déterminés sur le lieu où va se passer les trade shows de la Chambre de commerce de la République démocratique du Congo. Merci. Et Madame la Présidente, je sais qu'il y a toute une équipe, il y a déjà eu toute une équipe sur place au Congo qui se prépare, qui est là-bas sur place, qui prépare à organiser aussi ce trade show qui va se passer en République démocratique du Congo. Comment, avec votre présence ici aux États-Unis, se passe cette coordination? Au fait, nous sommes en partenariat avec Easy Commerce, USA RDC, qui est notre partenaire au Congo. Et aussi, nous avons l'agence de publicité, l'agence conseil de la promotion, CMCT, qui est de Jean-Claude Eyal, qui est notre partenaire aussi, comme vous, ici aux États-Unis. Et il y a aussi d'autres partenaires de banque, d'autres partenaires télécom. Il y a aussi d'autres sponsors qui se prononcent déjà. Donc, je sais que cette activité sera riche en couleurs et qu'il y aura vraiment beaucoup de répondants. Monsieur Jean-Claude, je sais que votre compagnie vraiment a beaucoup de relations parce que cela, vous avez une expérience extraordinaire parce que vous avez permis aujourd'hui à la Chambre de commerce nationale de la RDC d'entrer en contact avec certaines organisations. Essayez de nous parler de cela. Ok, dans notre stratégie, pour pouvoir aller de l'avant, nous avons des éléments qu'il faut considérer. Et ces éléments, c'est d'abord au niveau de la structure, donc des personnes qui doivent travailler pour que nous puissions réaliser ce grand événement qui est le trade show de la République démocratique du Congo. Donc nous avons parmi nous une dame très très importante, Madame Janine Scott. Janine Scott a été à la fois vice-présidente de Africaire, elle a travaillé à la BAD, c'est une noire américaine, mais elle connaît les grands milieux du noir américain. Alors nous avons aussi un de mes partenaires, Samuel Umunga. Samuel Umunga, c'est aussi un homme d'affaires américain d'origine kenyane, qui est très 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 bien connecté, et nous travaillons avec lui dans le domaine des grands politiciens américains. Donc nous sommes avec lui aussi en train d'organiser ces grands événements. D'ailleurs, c'est grâce à notre partenaire Samuel que nous allons bientôt amener Kofi Olomide au mois de février 2020. On a même fait Kofi Olomide chanter en Éthiopie. Et nous allons aussi amener Feregola chanter en Éthiopie. Donc ce sont des gens qui sont, nous avons aussi le président même, vous-même le président de Afrique Today, vous êtes aussi parmi les gens qui travaillent avec nous pour cet événement. Donc vous maîtrisez les systèmes de holistic communication, comme on le dit en anglais, et avec ça, nous avons à tout moment accès au public, et avec ça, je crois que nous serons en mesure de faire du bon travail. Et nous avons elle-même la présidente Caroline de la nouvelle chambre de commerce du Congo. Nous avons aussi son directeur, M. Didier, qui est aussi basé à Kinshasa, qui est en train de travailler avec nous comme s'il était ici basé à Washington. Donc nous avons une très bonne équipe qui collabore avec nous pour la réussite de ces trade shows que nous sommes en train de planifier au mois de mai 2020. Merci, monsieur Jean-Claude Atosomiso. Alors, je rappelle que c'est toujours Afrique Today. Vous regardez votre émission préférée, l'invité du dimanche. Et je suis dans ces nouveaux studios d'Afrique Today avec madame Caroline Poncelet-Lokimba, présidente de la nouvelle chambre
de commerce national de la RDC et je suis aussi avec Reverend Jean-Claude Atusanesso qui est président de Global Infrastructure Community and Finance LLC et nous parlons du trade show qui sera organisé bientôt ici à Washington DC. Nous allons prendre une petite pause et nous allons regarder cet élément du passage de tout ce que la présidente de la Chambre de commerce a fait durant son séjour ici. C'est un petit documentaire de quelque chose de 10 minutes. On va vous laisser regarder ce documentaire et lorsqu'on reviendra, nous allons continuer dans ce thème de quelque chose. Ce sera juste après une petite pause. À tout à l'heure. Today, our objective is to help you access trending information that is fresh and relevant in the promotion of African culture and values, as well as information that enhances economic, political, and social welfare in the continent. We provide a platform to share news, ideas, and useful information from different perspectives that reflect our African traditions, such as music, art, and fashion, among others. With the dawn of the new year, Afrique Today is here to deliver this information and more for you, our valued audience and stakeholders. We have spared no resources in refining our platform to make it better and look forward to serving your needs and your being part of a rejuvenated Africa that has so much to offer the world. Thank you for stopping by and Happy New Year, everyone. Mardi 10 décembre 2019, en début de matinée, la présidente de la nouvelle Chambre de commerce de la République démocratique du Congo, à la personne de Mme Caroline Poncelette Lokemba, a débuté sa visite de travail par Washington DC, où elle a rencontré un des conseillers membres noirs américains, Mr. Kian Ermerk Jeffy, où ils ont échangé sur le projet du trade show avec les États-Unis d'Amérique. Cette visite s'est clôturée par une séance de photos de famille. Ce même jour, dans l'après-midi, Mme Caroline Poncelette Lokemba, présidente de la nouvelle Chambre de commerce de la République démocratique du Congo, a été reçue par Son Excellence M. François Kouna Baloumouene, ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique, et le président de la Chambre de commerce des Noirs des États-Unis d'Amérique, Mr. Ron Bisby. Au cours de cette entrevue, un protocole d'accord qui a pour objectif de renforcer l'organisation du trade show USA-RDC a été signé entre la Chambre de commerce des Noirs des États-Unis d'Amérique et la nouvelle Chambre de commerce de la République démocratique. Donc, je suis Afrique Today, c'est donc toujours Afrique Today, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. L'invité du dimanche, comme je disais, c'est une émission qui passe tous les dimanches. Je suis Afrique Today et vous pouvez regarder Afrique Today en même temps, simultanément, en même temps sur quatre plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les smart TV, téléchargez les applications Roku et les applications
Fire Stick d'Afrique Today, Amazon Fire Stick. Alors aujourd'hui, c'est un jour comme tous les autres, mais nous continuons dans le cadre du trade show qu'organise la République démocratique du Congo. Et pour nous parler de cela, j'ai ici à ma gauche Madame Caroline Poncelet-Lukinda, présidente de la nouvelle Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo. Et j'ai à ma droite Reverend Jean-Claude Atoussamesso, président de Global Infrastructure Commodity and Finance LLC. Nous parlons déjà de ce trade show qui aura lieu. Alors, Madame la Présidente, je sais que vous avez déjà parlé de ça. Essayez encore de rappeler à ceux qui ne vous ont pas vu la dernière fois quels sont les industries de ce trade show que vous allez amener aux États-Unis. En fait, premièrement, l'objectif principal de ces trade shows est pour nous, la nouvelle Chambre de commerce, c'est contribuer au développement économique de la RDC en favorisant les investissements américains. Donc, la RDC a beaucoup de potentiel et nous avons besoin des investissements, nous avons besoin des joint ventures, nous avons besoin des partenariats gagnant-gagnant. Mais pour cette façon, on s'est dit, nous devons nous connecter avec la grande puissance mondiale qui est les États-Unis. Et c'est fait, nous sommes connectés déjà par la signature de l'accord avec la Chambre de commerce des Noirs américains ici aux États-Unis. C'est une très grande chambre de commerce et ça c'est vraiment une très grande connexion entre nous et les États-Unis. Et à travers ces trade shows, nous sommes dit, nous allons juste mettre en place quelques secteurs d'activité parce qu'il y en a beaucoup, tout est à refaire, tout est à faire au Congo. Et nous sommes dit, nous allons juste mettre en place quelques secteurs, à savoir l'énergie, l'infrastructure, l'éducation, les mines, et puis l'environnement. L'environnement, le tourisme et puis l'agroalimentaire. Nous sommes dit, nous allons juste parler de ces six ou sept secteurs d'activité auxquels nous allons nous connecter avec les entreprises d'ici aux États-Unis. Wow, c'est vraiment très intéressant. Alors, on verra. Et surtout, oui. Il n'y aura pas justement les secteurs privés. Nous allons aussi mettre en lumière toutes les opportunités de nos 26 provinces que nous allons connecter les secteurs publics, le public, où il y aura des partenariats publics, les partenariats privés, aussi des partenariats privés. Public. Donc, nous allons aussi mettre en lumière toutes les opportunités que nos provinces peuvent offrir et voir comment nous pouvons aussi signer des partenariats avec les provinces ici, avec des villes ici. Pourquoi pas faire de jumelage entre nos villes et les villes d'ici aux États-Unis. Oui, Reverend, je sais que vous participez, vous êtes pratiquement le représentant de la Chambre de commerce ici aux États-Unis grâce à votre société. Alors, je voudrais savoir une chose. Quelles sont les attentes vos attentes selon le contrat que la nouvelle Chambre de commerce a signé avec la Chambre de commerce des États-Unis? Nos attentes, c'est de voir d'abord le trade show réussir. Et parce que notre objectif en parlant de développement de la RDC, c'est de travailler sur le développement de province par province. En quelque sorte, la RDC, c'est un grand pays qui a 26 provinces. Les investisseurs que nous avons, nous allons les placer dans toutes les provinces. Donc maintenant, nous ressortissons le pouvoir de la province comme un pouvoir étatique, où le gouverneur joue le rôle d'un président et on envoie à chaque gouverneur un nombre suffisant d'investisseurs qui vont investir dans sa province pour booster chaque province. Et nous pensons qu'avec cette stratégie de booster l'économie de chaque province, nous allons nous retrouver avec un Congo fort, un Congo dynamique et aussi, comme vous le savez, prospère. Quand nous relevons ce Congo qui devient un Congo fort, prospère et dynamique, nous relevons l'Afrique. Comme on le sait, le cœur de l'Afrique, c'est le Congo. Dès qu'on tourne l'économie du Congo en une haute direction, c'est toute l'Afrique qui monte avec le Congo. Donc c'est un peu comme je le disais dernièrement, quand
nous signons notre contrat avec le président de la Chambre de commerce des Noirs américains, je leur ai dit que c'est un moment prophétique pour l'Afrique aujourd'hui. Vous qui aujourd'hui parlez librement avec nous, et vous comprenez que vous devez vite venir nous rejoindre pour développer l'Afrique, et vous avez accepté d'amener toutes vos entreprises dans tous les domaines. Ils ont dit même qu'ils vont amener les entreprises dans les domaines de films, dans les domaines de sport. Donc ils vont venir vraiment de nouvelles culturelles, ils vont venir avec tout leur lot de Noirs américains pour venir nous soutenir pour développer la RDC. Donc et ça, c'est retour, qu'est-ce que la RDC... Mais non, c'est intéressant, justement. Mm-hmm. Quand nos frères, et c'est ce que j'ai expliqué à nos frères en Amérique, je vous donne un exemple facile. Quand nos frères américains ou un groupe de l'entreprise américaine viennent investir avec nous dans une concession minière d'or, ou bien de cobalt, ou bien de cuivre, c'est sûr que nous faisons un investissement gagnant-gagnant, où nos frères américains gagnent et nous aussi nous gagnons. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que ils vont gagner pour venir investir aussi dans les communautés américaines. Donc, c'est-à-dire que nous venons avec eux, non pas pour les appauvrir, mais nous venons pour que nous puissions nous enrichir ensemble et vont partager avec nous nos ressources naturelles avec leurs nouvelles technologies et les capacités financières. Et quand nous transformons notre ressource naturelle en capacité financière, ça permet à ce qu'eux reviennent avec leur part, et nous, avec notre part, nous allons investir dans la sécurité, dans la santé, dans le développement économique, dans l'infrastructure de la République démocratique du Congo. Et là, vous voyez que c'est les résultats attendus de ces trade shows que nous allons voir. Ce n'est pas un résultat à petit, c'est un grand résultat parce que nous sommes convaincus que nous allons créer des milliers et milliers d'emplois et nous allons aussi booster l'économie de la République démocratique du Congo. Donc c'est un peu ce que nous sommes en train de fournir comme effort. Donc, oui, c'est ça, c'est ce qu'il est en train de dire, juste épingler, bien ajouter un mot, c'est juste aussi augmenter les chiffres d'affaires entre nos deux pays, c'est-à-dire parce que pour le moment, nous n'avons pas assez par rapport à d'autres pays africains qui sont intégrés dans la GOA. Nous, on n'est pas encore là, on s'est dit non, on ne peut pas croiser les bras, même s'il y a encore des accords que nous savons que nous allons aussi intégrer, malgré que nous ne sommes pas encore là, nous devons aussi contourner. Voir comment augmenter les chiffres d'affaires annuels entre nos deux pays, parce qu'il y a aussi d'autres programmes qui sont mis en place en dehors d'AGOA et nous allons aussi en profiter pour bénéficier aussi de tous ces programmes de financement et ça sera une très bonne chose aussi pour nous. Donc, nos attentes, c'est quoi? C'est d'abord augmenter les chiffres d'affaires annuels entre nos deux pays et aussi favoriser les investissements américains dans notre pays qui va pousser que nous puissions créer d'emplois parce qu'eux, ils ne pensent pas amener leur main d'œuvre au Congo. Ils se disent non, on va travailler. C'est-à-dire, on aura créé beaucoup d'emplois et c'est ça la richesse, le fait que nous avons un capital humain dense et varié et ça sera une très bonne chose. Je sais que le Congo existe depuis et ces derniers temps, on ne fait que voir des autorités congolaises venir ici aux États-Unis, de la République démocratique du Congo venir ici aux États-Unis dernièrement. Nous avons eu la chance d'avoir l'interview du ministre de l'Environnement ici. Alors pourquoi cet enthousiasme ces derniers temps? Nous avons, c'est le temps du Congo, c'est ce que je veux dire. C'est le temps du Congo. Il faut le savoir, il faut aussi le retenir. Aujourd'hui, c'est le temps du Congo. Il est temps que le Congo puisse décoller. Et nous allons décoller. C'est pourquoi nous sommes dit, on doit venir vers la grande puissance mondiale. Et surtout, ils nous ont accueillis et ils nous ont dit que non, en tout cas, il était temps. Et ils se disaient comment est-ce qu'ils devaient intégrer le Congo. Voilà le schéma est déjà fait, donc c'est le temps du Congo. Avec un nouveau leadership que nous avons, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire pour le moment au Congo et le pays sera comptable de ce que nous faisons. Alors, Reverend, nous savons que ce trade show se prépare vraiment avec vous faites vraiment beaucoup d'efforts et sûrement avec la collaboration avec Afrique Today, il faut avouer qu'il y a une émission qui se prépare avec les autorités sur place. Comment votre entreprise aujourd'hui est en train de gérer tout cela? En tout cas, comme vous le savez,
Afrique Today, c'est une grande chaîne de télévision qui va déjà au-delà de plusieurs chaînes de télévision, parce que l'Afrique Today est une chaîne de télévision digitale, donc numérique. Donc ça nous permet d'avoir la possibilité de faire intervenir les autorités au niveau de la République démocratique du Congo pour qu'ils donnent aussi leur contribution par rapport à ce qu'ils pensent de ce que nous pouvons réaliser ici dans le cadre de ces trade shows. C'est un trade show qui est beaucoup attendu par les hommes d'affaires congolais qui aimeraient vraiment venir rencontrer leurs confrères et frères ici aux États-Unis, mais aussi c'est beaucoup attendu par les frères américains. Ils ont dit, cette fois-ci, nous sommes déterminés. Nous allons rencontrer les frères américains qui vous fabriquent des chambres froides solaires, qui sont déterminés à venir monter tout un système de production et de transformation de tomates. Nous avons rencontré, nous avons des partenaires qui travaillent dans le domaine agricole, où ils veulent faire une grande production agricole. Et nous avons des frères qui veulent nous aider à réaliser, à réparer les routes, à mettre des ponts mobiles. Donc, en tout cas, il y a plusieurs partenaires ici aux États-Unis qui sont déterminés et qui sont prêts à pouvoir travailler avec nous. Et nous pensons qu'avec la télévision Afrique Today, nous avons la possibilité d'avoir sur télé nos autorités qui sont au Congo, qui vont nous donner de temps en temps leur contribution. Nous allons travailler avec les partenaires, les hommes d'affaires congolais, qui vont nous donner leur contribution. Et nous aurons aussi à travailler avec les membres de la Chambre de commerce qui sont sur place là-bas au Congo, qui vont nous donner une contribution pour que cet événement soit l'événement le plus grand et le plus fort, et plus que même le gouvernement du moment qui avait la RDC et les États-Unis, qui est le grand combat de boxe de Mohamed Ali et Foreman. Donc si cet événement sera le second grand événement du siècle où le Congolais homme d'affaires viendra rencontrer l'Américain homme d'affaires. Merci. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre mission. Alors, madame, je sais que vous allez encore revenir ici sur Afrique Today parce que nous allons continuer à faire la promotion de cet événement qui est le trade show. Et vous allez continuer à venir ici dans notre studio lorsqu'il y a des nouvelles, parler de cela, la progression, tant que vous êtes encore ici aux États-Unis. Parce que vous m'avez dit dernièrement, Alain Pierre, tant que je ne résous pas tous les problèmes qu'il faut pour que ce trade show réussisse, je ne rentrerai pas en République démocratique du Congo. Là, ben, félicitations pour cela. Alors, qu'est-ce que vous dites alors à votre dernier mot à ceux qui ont encore des doutes à la réussite de ce trade show? Non. J'invite tous les opérateurs économiques, les hommes d'affaires avisés, de venir nombreux participer à ces trade-shows, à ces grands rendez-vous entre la RDC et les États-Unis au mois de mai, du 26 au 28 mai, ici à Washington. Et cet événement sera riche en couleurs parce qu'elle est sous les au patronage du président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui est le patron, donc c'est lui, c'est sous son haut patronage que nous organisons cet événement et par l'accompagnement de notre ambassade ici à Washington et aussi l'accompagnement de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Donc nous invitons tous les opérateurs économiques et aussi nous invitons la diaspora, les diasporas congolais et aussi africain, parce que cet événement, on ne va pas juste célébrer RDC USA, nous allons aussi inviter quelques pays africains, en particulier les pays francophones d'Afrique et aussi nos 9 pays limitrophes. Il y aura certains pays auxquels nous allons inviter pour participer à ces trade shows, parce que ça ne sera pas seulement un événement ou bien un événement congolais-américain, mais ça sera plutôt une fête que nous allons célébrer l'Afrique et les États-Unis. Merci. Et Monsieur le Révérend, qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui doutent encore? C'est votre dernier mot aujourd'hui, parce que je sais que vous revenez encore ici dans le studio, parce que nous allons faire des émissions de temps en temps concernant ce trade show. Non, moi, en tout cas, je ne m'adresse pas à ceux qui doutent, parce que je sais que personne ne va douter. Toujours, on est des grands joueurs. Okay. Par contre, je veux m'adresser à tous nos frères de la RDC, ici aux États-Unis, à la diaspora, et en République démocratique du Congo. Nous tous, nous avons suivi les discours très éloquents
de notre président Félix Tshisekedi Tshilombo Fatshi Béton. Nous avons à lui faire confiance et nous pouvons croire que il n'a pas fait que mâcher le mot, mais il a dit ce qu'il est capable de faire. Mais en même temps, il a tracé le chemin pour chacun de nous. Donc il ne veut pas tout faire. Il a eu un bon discours, mais que tous amenons notre part, notre contribution, pour qu'effectivement ce qu'il a dit se réalise. À supposer que parmi nous, le 90 millions de Congolais, chaque Congolais apporte sa pierre de construction par rapport à ce que le président a lancé comme mot. Il a déjà nous a donné les ouvertures, il a ouvert les portes pour tous. Si nous sommes en mesure de l'écouter et que nous puissions aller avec lui pour bâtir ces grands Congo, je vous assure que 5 ans, c'est beaucoup. Donc avant même 2 ans, ce Congo-là sera un Congo qui aura de Dubaï dans plusieurs provinces. Et c'est un Congo où tout le monde deviendra la destination, qui deviendra la destination de tous ceux qui aimeraient investir. Donc un investissement, c'est une stratégie. Donc vous pouvez attirer les investisseurs chez vous en mettant de bonnes stratégies en place. Et maintenant, avec ces trade shows et avec plusieurs stratèges américains qui sont derrière nous, nous sommes en mesure de tracer les routes qui vont aller du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous sommes en mesure de construire des ponts de 1, de 2 à 2 mois. Nous sommes en mesure de désenclaver le village. Soyons positifs. Nous devons croire à la RDC. C'est un grand pays. Et nous savons qu'avec le développement de la RDC, c'est le développement de l'Afrique qui va booster l'Afrique. Et nous allons sauver la vie de nos frères et sœurs de l'Afrique. Merci pour la confiance que vous nous donnez. Et nous savons qu'en venant au trade show, vous ne serez pas déçus. Oui, madame. Oui, le temps est là, le temps est venu et c'est le temps de la RDC. Donc, tout le monde, n'hésitez pas, on est là et contactez-nous. Contactez-nous sur il y a des numéros auxquels vous pouvez nous contacter, soit consulter notre site web pour s'enregistrer à ces grands événements, à ces grandes activités qui va vraiment réunir la RDC et les États-Unis. Donc, ne manquez pas ces grands rendez-vous, soyez présents, soyez là parce que c'est le temps. Et c'est le temps de la RDC. Merci. C'est le temps de la RDC. Merci à mes deux invités. Je vous rappelle que c'était donc l'invité du dimanche. Et j'avais ici dans les nouveaux studios d'Afrique Today, à ma gauche, j'avais Madame Caroline Poncelet-Lokimba, présidente de la nouvelle Chambre de commerce nationale de la RDC. Et à ma droite, j'avais Reverend Jean-Claude Atoussamesso, qui est le président de Global Infrastructure Commodity and Finance LLC. Ils étaient donc mes invités de ce dimanche. Alors, pour ceux qui se connaissent, je vous rappelle que vous pouvez regarder donc Afrique Today sur 4 plateformes en même temps, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.africatoday.com. Téléchargez nos applications Android et iOS et inscrivez-vous sur notre canal YouTube et suivez-nous sur Facebook. J'étais donc très heureux de vous retrouver cet après-midi, madame. Merci beaucoup pour votre paix et je sais que vous revenez encore. Oui, merci beaucoup. On travaille déjà ensemble et vous revenez encore, on fera d'autres émissions. Merci pour votre temps et merci à vous tous. On se retrouve certainement dimanche prochain. Au revoir. Merci. Au revoir.